Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ici une mission de livraison à G-Wall. J'espère cependant que ce n'est pas la grosse zone, je ne me rappelle plus du tout c'est laquelle d'ailleurs. Amener l'orbital, si c'est ça. De mémoire, c'est ça. Je ne pense pas me tromper. Oula, ça clignote sa maman. Et je crois qu'il y a quelques problèmes avec les serveurs aujourd'hui. J'ai eu du mal à atteindre plusieurs choses. Non, c'est la... c'est garé terminal. C'est pas le bon système. Qu'est-ce que tu chies, Jiwal, voilà. Pourquoi tu m'as pas centré sur le bon système? T'es nul. Ah non, Bones Gateway, attendez. Non, on a de la chance, c'est pas la même. Ah bah par contre, j'aimerais bien que tu... Voilà. Merci. Oui, il y a des gros problèmes serveur. Vous voyez, ça m'affiche des black screens plutôt que des images. Je crois qu'on a des gros problèmes de serveur. J'aurais peut-être dû checker mon ping avant. Je vais checker le ping, je reviens. Chers amis, bah non, écoutez, 29 de ping. Ce qui m'étonne d'ailleurs, habituellement j'ai 26. J'ai testé plusieurs fois, ça traîne entre 26 et 46. Rien de bien méchant, hein. C'est pas pire que celui que j'avais ce matin à cause des uploads. Je me suis fait gueuler dessus parce qu'on pouvait pas regarder Netflix pendant l'upload. Hein? Mon dieu. Mon dieu. Ok, bon, on y va. On a un petit bout de route à faire. On a quand même un petit peu de cargaison, hein. Faut pas se voiler la face non plus, hein. On est 46 entrepreneurs. On a un tout petit peu de cargaison, on va se faire donc quelques crédits dans le coin. Mais je pense qu'on va... Oula, pourquoi je... Non, si, c'est bien ça, c'est bien ce que j'avais fait pourtant. Hop, bourré. Il est possible qu'on reprenne tout simplement... Oh, bah merde. Oh merde, on n'a pas de bol. On n'a pas de bol cette fois-ci. Bah écoutez, je vais déverrouiller si j'arrive à trouver la station. Voilà, merci. Crac. C'est parti. Et on reprend donc tout de suite. Une fois qu'on sera parti en FSD et qu'on aura dépassé cette planète. Ça nous était pas encore arrivé ce genre d'histoire. On va attendre un petit peu, hein. Crac. Dans le coin, il y a toujours les conflits. Zone de conflit, forte intensité, faible intensité. Peut-être qu'on va en refaire une, je sais pas. Bon, on y va. Hop. Voilà, on va fouiller plusieurs sources de signal, mais c'est encore peut-être encore plus dangereux, donc bon. Je ne sais point. Je ne sais point. C'est parti. Crac. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. Appelez. Mais bien sûr. Et qu'est-ce que vous me dites? J'ai 2 minutes pour me rendre sur place, me garer et fournir. Ça va être serré. Ça va être extrêmement serré. Vu que mon vaisseau ralentit. Pour une raison que je n'ai pas encore compris, ça y accélère quand même. Dommage qu'il n'y ait pas de counter en haut, de durée quoi, ça serait sympa. Il semblait qu'il devait y en avoir un en plus, c'était prévu. Mais bon, et on a encore perdu la réputation auprès d'eux, hein. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un est au courant de pourquoi je repère de la réputation à chaque fois que je saute? Ouais, d'accord, je vois pas, je sais pas. Aucune idée. Alors. Hop. De toute façon c'est mort au niveau des 2 minutes, hein, faut pas se voiler la face, hein. En plus c'est de l'autre côté, mais bien sûr. Mais ça me semble tellement logique, je vois pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant. Dit comme ça maintenant, ça me semble logique que ce soit de l'autre côté, vu que j'ai un timer, tout ça. Bon, pour une fois que je me suis pas plaint du timer, hein, bah écoutez, j'ai une bonne raison maintenant de le faire. Tout simplement. Alors, en douceur. En douceur, en douceur, en douceur, c'est pas grave, de toute façon le timer, faut pas se voiler la face, on l'aura pas. Nous sommes passés dans l'ombre de la planète, chers amis. Hop là, j'accélère comme un bourrin. Hop là, on est bon. Hop, on bourre. Des fois que... Crac, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Maintenant, ne me bourrez pas mes quelques crédits supplémentaires. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pas d'argent. Bref. Peut-être que je vais la voir, peut-être que je vais la voir, peut-être que je vais la voir. Hop là. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Crac, crac. Service de spatioport, vite, 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 bourre. Bourre, Marcus. Bourre, bourre, bourre. Allez, allez, Marcus. Allez, allez. Oh putain. Patientez, 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 patientez. Allez! Oui! Oui! On l'a fait. 267 000 crédits. Génial. Ce qui veut dire donc qu'on a gagné un peu plus de... Un bonus de... 200 000 crédits tout rond. J'aime bien les chiffres ronds comme ça, c'est joli. C'est sympa. G-Wall, mais d'un don d'électronique, grand public, j'en ai pas sur moi, je suis désolé. De toute façon, moi, les seuls gens à qui je parlais, c'est le porte-parole machin, là. À Xinka. Xinka qui est à 10 années-lumière, ouais, bah, c'est pas sur mon chemin. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas sur mon chemin. Est-ce que je vais voir pour de la marchandise? Hop. Jiwal. Crac. Amnuel. Hop. Direction de Dessia. Garé. Hop, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah! Là, il y a des choses, chers amis. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, c'est pas magique. Hein. J'ai combien de places sur moi? J'ai combien de places sur moi? 110. Putain, seulement 110. J'ai des algues, de la ferraille, de l'argent, des supraconducteurs. J'en ai de la merde sur moi, dis donc. Ouais. J'en ai beaucoup de la merde sur moi. J'ai 110 places. Qui me donne un bénéfice de 10 000 crédits. C'est pas magique, hein, 10 000. Hein. Vous en conviendrez. C'est pas magique. Eh ben écoutez, tant pis. Pas intéressant. Pas intéressant. Ah, allez, on y va. Générateur. On va acheter des générateurs, ça fait toujours un bénéfice. Générateur. Ah, ils sont moins chers encore que ce que j'avais prévu. 35 640. Ah bah non, c'est le prix... Là, c'est marrant, c'est le prix affiché, mais pourtant... Ah oui, d'un 324, c'est moi qui me trompe. C'est moi qui me trompe. Ok, bon, on les achète. Maximum capacité. Ok, c'est bon, t'as... Eh bah écoutez, on rentre, chers amis, on va rentrer, on va rentrer, on va rentrer. Crac, ça nous fait un petit peu de crédit supplémentaire, 10 000, hein, c'est rien de folichon, hein, soyons honnêtes, hein, mais bon. Avec un peu de bol, ils vont nous en réclamer sur place et on va rendre ça des milliards et des milliards. Mais bon, j'en doute, ça doit être actualisé toutes les 2 heures ce site, hein, toutes les heures. Donc bon, faut pas rêver trop non plus. Allons-y. Track. Pour la petite information, chers amis, j'ai réduit le FOV à 65. 70-65. Est-ce que vous y voyez une différence, pardon? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous l'avez remarqué seulement? À vous de me le dire dans les commentaires. Et moi je verrai si vous appréciez ou pas. Voilà. Voilà, voilà, on y va. On saute. Si je partais directement de Dessia, voir si j'avais pas quelqu'un qui serait prêt à... Oups, pardon. Boost. Dessia, target système magistance. 15. 500. Hop, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Il y a de l'équipement marin. Avec un profit de 42 000 crédits, si vous voulez. C'est pas mirifique, hein, honnêtement. C'est pas top moumoute. Pas top moumoute du tout. Je pense qu'on va plutôt retourner dans la zone de conflit, hein. On va se remettre en zone de conflit, on verra bien. On verra bien. Ça peut être sympa. Se faire quelques crédits supplémentaires, même si on n'augmente pas du coup. Ou alors, si certains d'entre vous, chers amis, connaissent des stations autour de nous qui pourraient nous être utiles, enfin, des systèmes autour de nous qui pourraient être plus pratiques pour la fédération, assez proches, n'hésitez pas à me les donner. Faut que je pense aussi à chercher de la pézodéramine, voilà, de la truc mine pour notre ingénieur ou ingénieuse, ingénieur. On verra bien. On verra bien. On verra. Si ça se trouve facilement ou pas. Bref. bref. En fait, elle est un peu loin. C'est ça qui est dommage, c'est qu'elle est un peu loin, la zone de conflit. Je préférerais qu'elle soit plus près, que je puisse me réparer plus rapidement et repartir. Mais non, mais non. Alors j'ai essayé, hein, j'ai mis des interesting systems around Dessia et je crois que j'avais pas trouvé grand chose. Donc bon. Non, on est devant? Ah, c'est bien ce qui me semblait aussi, je me disais. Je trouve ça étonnant qu'on soit devant. Alors. Ok, on approche. C'est illisible, mon... Mon radar est complètement illisible. Oh là là. Hop, accélération un petit peu quand même. Pleine balle. Crac, c'est bon, on est bon. Et toujours pas. On n'arrivera jamais à être en face. J'ai abandonné l'idée. J'ai complètement abandonné l'idée. Oula. Hop, voilà. Hop, et c'est parti. Crac. Hop. du scan. 135, elle est juste là. Oh, je touche. Vais-je avoir une prune pour l'accident? Non, même pas. Bah tant mieux. J'aurais peut-être pas accepté de la payer. Ok. Hop. Crac. Why not? Service de spatioport, on est entré dans le hangar, je pense. Hein. Donc, on va faire le plein. Parce que voilà, déjà. Les 5 criminels les plus recherchés de Dessia. Prime totale, 702 000. C'est tous des joueurs, hein. C'est tous des joueurs, je crois. 702 000. $702 000. Oh la gueule. Ça vaudrait presque le coup. Ça vaudrait presque le coup. Marché. Allons-y. Bon voilà, je me fais 44 crédits ici parce que ça me libère de la place dans mes trucs. J'ai un peu de ferraille, ça vous intéresse aussi. Alors, générateur. Ah, on va peut-être se faire un bénéfice plus conséquent. Non, j'ai rien dit. 11 000, vous voyez, c'est pas... C'est pas magique comme bénéfice, hein. Bon, ça a toujours soit de prix. Méta-alliage, je veux les vendre pour un bénéfice total. Ah non, j'ai une perte ici. J'ai une perte de pratiquement 1 million. Bah non, va te faire foutre. Je les garde. Vous inquiétez pas, je vous les garde. Je vous invite encore une fois à commenter ou à aller directement poster dans... non, plutôt poster. Ne commentez pas à ce sujet. Postez directement dans le groupe Steam pour vous demander... demander tout simplement à en avoir. Et je vous en donnerai si vous êtes dans la région où je suis quand je tourne, tout simplement. Ok, ok. Moi, j'ai envie de voir, chers amis, avec vous... S'il y a une région dans les alentours appartenant à la fédération. Alors attendez, parce que ça va être compliqué encore. Carte, gouvernement. C'est pas ça. Allégeance, voilà. Fédération déjà, ça a réduit le compte. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? 4,8 millions d'habitants. Loi martiale. Oula, c'est sympa ça. Community Goal qui sont à Chaille. Ah, pas tant que ça, hein. Mais bon. C'est pas le genre de choses qui m'intéresse, vous savez, je vous en ai déjà parlé. En tout cas, pour ces Community Goals là, ce sont des... Comment des... Situation aucune. D'accord. Kanamba. Kanamba! Guerre! Ah! Ah! Eh ben on va aller y faire un tour. On va aller y faire un tour. C'est parti. On va se rendre sur place, on va examiner les lieux. Et je pense que dans le prochain épisode, on ira prendre part à cette petite guéguerre. Faut toujours être sympa. Sauf si guerre c'est zone de conflit, enfin sauf si on a une de très près d'une station, par contre ça pourrait être sympa. Hop. Crac. Hello, où c'est que c'est coulé? Voilà. Ça me semble plutôt bien. Allez, on booste. On va aller voir cette petite guéguerre. Ah, juste deux sauts, hein, c'est rien. Hop, c'est parti. Hop. Boum. Un petit coup de boost et on est parti. Alors. Ça c'est un saut. Crac. Hop, moi j'en profite, chers amis. Crac. Je fais mon petit tableau. On fait le plein. Crac, quelques découvertes. Rien de bien intéressant. Pour ce qui est des découvertes, chers amis, je pense qu'on laissera notre marque. On laissera notre marque dans le jeu avec, lorsque nous aurons l'ASP Explorer, voilà, cherchez le nom, l'ASP Explorer, et qu'on l'aura équipé complètement exploration et récolte de matériaux. Ça me semble être plus ou moins une bonne idée. Une idée à 15 millions. Ça fait mal quand même. Mais bon, c'est comme ça. Quand on aura 115 millions, donc 113 millions à tout péter, on se permettra cet achat. Et on verra le moment venu. Je crois aussi que je vois le coût complet de ce vaisseau. Ah, là c'est déjà plus intéressant. Donc c'est la guerre, paraît-il, ici. Balise de navigation endommagée. Oula. Ah oui, c'est vraiment la guerre. Vous ne pourrez plus jamais revenir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est même pas un système anarchique pourtant. Bizarre. Bizarre, bizarre. On va aller voir, hein. On est là pour ça. On va se renseigner, comme on dit. Hop. Je bourre un peu la vitesse. Crac. Alors. Aucune intervention de sécurité possible. Bref, c'est la guerre, quoi. C'est donc une espèce de guerre ouverte. Oh la vache! Oh la gueule! Oh la gueule! Oh le nombre de scans! Oh puis ça! Oh la gueule! Ah ça n'hésite pas! Oh! Oh la magie! La magie de cet endroit! Et pourtant il n'y a rien! Il n'y a rien à y faire! Ah la gueule! Oh la gueule! Oh, excusez-moi. Oh, c'est un échec sur tous les points, ce truc-là. Oh, dis donc. Ah, là, il y a un bon nom en dessous. Essor économique. Ouais, bah, du coup, ça m'intéresse moins. Ah, non, c'était pas du rouge. Si, c'était du rouge. Parta. This is Parta. Situation aucune. Oh, bah alors. Aucune. Essor économique. Essor économique, bah non, c'est la forme dans le coin, c'est pas la crise. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Loi martiale. Je suis curieux d'aller voir ce que c'est. Hop. Hop. Crac. C'est parti. On a combien de sauts à faire? 2 sauts. Ça va. C'est pas excessif, ça me permet de faire un petit peu de recherche. Et boost. Ah bah boost. Ah, le boost il est censé être là normalement. Ah oui je suis con, il n'y a pas de boost en... Oh quel abruti. Quel abruti. Bon. Bah bah bah. Crac. Et on ressaute, enfin, pour arriver à Beledos, une fois qu'on aura fini, voilà, de scanner. 34, sympa. Sympa, sympa. They say we are what we... J'ai cette chanson-là dans la tête depuis ce matin, chers amis, c'est terrible. Vous voyez qu'il est assez tard. J'ai très peu tourné aujourd'hui, c'est la catastrophe. Donc je compte beaucoup plus demain. Hop, le nom de l'épisode. Hop, il est noté. Oula! Wouhou! Donc, il paraît que c'est la guerre dans le coin. C'est bon. Bon, ça va pas être plus la guerre que ça. Par contre, tout est loin, quoi. Enfin, bon. On continue à chercher. On continue à chercher. Borora. Essor économique. Bah on va aller dans un essor économique, on va bien voir ce qui s'y passe, chers amis. Hein. Hop, en espérant qu'il y a un truc pas trop loin. Hop, on lance le chargement tout de suite, comme ça ce sera fait. Il devrait y avoir un double bouton pour le... Mince, le chargement du FSD. Très logique, et puis si jamais vous entrez, vous créez des dégâts à côté, ou non, même pas si vous, ça réclame par exemple deux tics d'énergie, par exemple, imaginons. Vous pouvez le faire charger quand vous voulez, mais ça réclame deux tics d'énergie dans le système minimum, ou un tic partout. Je sais pas, cherche des choses sympas comme ça, de genre là. L'exploitation minière, ça peut être sympa, remarque. Ça peut être carrément sympa. On va s'approcher de la station. Il y a des choses là-dedans ou c'est complètement mort? Il y a des choses. Ils sont loin? Non, pas plus que ça. Pas pour la plupart. Mais bon, ça n'a pas l'air des plus intéressants, encore une fois. C'est dommage. C'est véritablement dommage. Hop. Tant mieux, hein, cette distance-là, il accepte. Ça ne me dérange pas. Alors, il est par là. Est-ce que je vais me faire scanner à mort ou pas? Tiens, tiens donc. C'est agressif comme scan? Non, non, c'est bon, on a terminé, circuler. What? Alors, attendez. Hop. Sotis et Seos. Alors attendez, on va aller voir ça. On va plutôt par contre booster. J'espère qu'on se passe pas agresser. Hop. Je sais pas si ça continue à charger en fait. Donc. Ici, est-ce qu'on a quelque chose? C'est loin ou c'est pas loin? Ça me semble être extrêmement loin. Oui, il faut que je remette tout ça en place. C'est extrêmement loin et... c'est juste à côté, d'accord. C'est donc extrêmement loin là aussi. Ok... Bon bah on part très mal alors si on va là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses dans les alentours au moins ou pas? Y'a rien. Y'a rien. C'est triste. C'est très triste. Bon. Ashnar, qu'est-ce qu'il y a à Ashnar? Qu'est-ce que j'ai mis à Ashnar? Capitale de l'Empire, d'accord, ok. Oh! Ah non ça va, c'est pas si loin que ça en fait, ça me semblait plus loin que ça. Ok. Capital, système des BBS, métalliage, arsenic confirmé, vente ponctuelle des métalliages, d'accord, farm qu'une fédération. C'est cool, je mets des trucs, je me rappelle déjà plus. J'imagine que c'est en rapport avec Kune, que je n'ai pas noté. Qui est juste ici. Oui d'accord, oui c'est bon, je me souviens, ça y est, c'était... Oui d'accord. Ok, bon. On n'est pas bon, hein. On n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Donc t'as vraiment... T'as vraiment rien dans le coin. Qui puisse être sympa. Qui puisse être sympa. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? D'accord. Et ici, il se passe quoi? Essor économique, eh ben on y va, on va bien aller voir, on va se balader. On... Wow, on se calme les mecs. On se calme les mecs. C'est pas ce que j'avais prévu. Alors, on va aller à Vazoudé, hein. Non? Non? Bon bah écoutez, voilà, merci. Crac! Ok, ça va être mieux comme ça. On booste, enfin non, on bourre plutôt. Oh là là, j'ai envie de booster à fond aujourd'hui. Et on va aller voir à Vazoudé s'il y a quelque chose de Vazoud ou Vazoudé, je sais pas comment vous voulez le dire. S'il y a quelque chose, je suis assez déçu là pour le coup. Assez déçu, il y a un petit bout de route. Hein. Alors, hello! On rate à la balise. Où j'achète les données. Elles sont achetables les données? Non. Elles ne le sont pas. Hop. Elles ne le sont pas, du coup balise. La direction la balise, hein. Direction la balise, et puis on verra bien, hein. Bon, bon, bon. Je trouve pas ce que je veux, ça m'embête. Honnêtement, ça m'embête. On verra. On verra. On verra. On verra, on verra, on verra. Je chante tellement bien. C'est un pur bonheur, un pur délice de m'écouter. C'est l'épanouissement des oreilles. Ouh, ça bouge dans tous les coins. Alors, il y a du monde, hein. Je sais pas quand il y a du monde. Je me sens observé. Oh putain. Arrête-toi! Ah, il avait pas l'intention de s'arrêter. Il avait vraiment pas l'intention de s'arrêter. Et donc, ça y est, tu t'es décidé à tout me trouver, oui, c'est bon. Et tout est super loin. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Tout est super loin dans la région. Et bah écoutez les amis, du coup on va se laisser là. Je vais reprendre les recherches dans le prochain épisode. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trop le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.